tous nous puissions, mais ça, maintenant, marcher dans l'image. Et quand on marche dans l'image de Jésus-Christ, c'est là où on termine l'histoire de la vie sur terre. Quand on marche dans l'image de Jésus-Christ, c'est là où on met la fin sur les travaux sur terre. Parce que la terre, les gens n'ont pas encore vu ce qui a été supposé d'être monté, d'être montré. La création est en train d'attendre. Toute la créature est en train d'attendre. Tous les animaux de la forêt sont en train d'attendre de voir la manifestation des enfants de Dieu. La manifestation des gens qui vont marcher et stopper la lune. Et stopper la lune et stopper le soleil. Les gens qui vont sortir et marcher sur les eaux. Les gens qui vont sortir et ressusciter les morts. Les gens qui vont sortir et guérir les malades, les gens qui vont sortir et multiplier les pains. Parce qu'il y a beaucoup de famines sur terre. Il y a beaucoup de famines. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Il y a beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train de dominer sur la terre. Parce que si Jésus-Christ était aujourd'hui, partout, parce que la Bible nous dit bien que partout où il allait, on l'amenait les malades et il les guérissait. Maintenant, la parole, c'est la parole que le Seigneur nous a donnée. Pour que quand la parole est en train de circuler sur la terre, les gens puissent se réveiller et guérir les malades. Les gens puissent se réveiller et sortir et payer les dettes de tout le monde. Les gens puissent se réveiller et sortir et marcher sur les eaux. Et partir à une fête, quand il n'y a plus de boisson, donner, multiplier le vin. Multiplier les jus d'ananas et donner à tout le monde. Voilà ce que le Seigneur est venu faire. Cette chose se passe dans l'identité. Quand on a l'identité de Dieu, quand on a l'identité que Dieu nous a donnée, les ténèbres se mettent à genoux. Quand on a l'identité que Dieu nous a donnée, il n'y a rien qui se met devant les enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu marchent, quand les enfants de Dieu avancent, tout ce qui est contraire, oui, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la lumière de Dieu, à l'identité de Dieu, fuit, disparaît et fuit. Il n'y a pas de place pour ça. Avec la compréhension de la parole de la lumière que le Seigneur est venu nous donner, avec la compréhension de ces paroles, on est au point où on est en train de dominer. On est en train de dominer.